Salut à tous, actuellement nous sommes en train de mettre la propriété autour de nos étangs nouvellement créés et nous nous apprêtons à mettre des poissons qui seront disponibles au marché dès décembre. Donc là nous sommes dans un marécage et nous sommes en train de faire le brûlis tout autour de l'étang pour aménager les alentours. Donc d'ici décembre, nous allons sortir des très gros poissons dans ce marécage. Donc là, c'est l'une des étapes à ne pas sauter. Donc il y a le défouchage, il y a l'abattage et il y a le nettoyage du site. Donc actuellement, nous sommes en train de faire le nettoyage du site. Après le nettoyage du site, nous allons aménager les étangs. Après avoir aménagé les étangs, nous allons faire l'empoisonnement. Donc c'est un peu ce que nous sommes en train de faire actuellement là. Donc si vous avez aussi des marécages, donc c'est l'occasion de les mettre en valeur. Comme nous sommes en train de faire dans ce marécage, donc nous avons abattu, nous avons creusé certains étangs et nous sommes en train d'aménager tous les alentours. Donc vous allez voir un exemple, dès que ça sera fait, je vais faire une vidéo que je vais vous envoyer. Donc à plus, à plus. Donc là, après cette étape, nous allons avoir assez d'espace pour pouvoir encore creuser plusieurs autres étangs. Comme vous constatez là, nous sommes dans un marécage et nous sommes en train de faire le brûlis. Nous avons fait l'abattage, nous avons abattu, nous avons laissé quelques temps ça sécher. Maintenant, nous sommes en train de faire le brûlis pour avoir assez d'espace. Là, vous voyez, il y a assez d'eau. Il y a des eaux intarissables ici et nous allons créer des étangs piscicoles ici. Là, nous avons l'eau. Comme vous pouvez observer, il y a assez d'eau. Cette eau-là sera canalisée et réutilisée. Donc là, nous sommes au milieu d'une brousse où on trouve du marécage. Et ce marécage, nous allons la mettre en valeur. Donc elle sera productive. Donc pour tous ceux qui ont des marécages et qui souhaitent aussi les mettre en valeur avec des étangs, avec des cultures maraîchères, vous pouvez aussi me contacter et on fait pareil dans votre site. Donc, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, je vous conseille de vous abonner et bénéficier des actus qu'on montre. Vous allez voir comment on va mettre des poissons ici. Vous allez voir les différentes étapes que nous allons parcourir. Donc là, nous sommes sur le site actuellement. Non, ça ne peut pas se lever. Elle représente seulement